Cela fait un moment que je me pose une question. Est-il possible de séduire un pigeon? Aujourd'hui, on va pouvoir vérifier cela dans la 5 Pigeon Nation Institute. Cette école qui regroupe l'élite des pigeons à travers le monde va nous permettre de côtoyer les meilleurs pigeons de la Terre. Bah, bienvenue chez Toonie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce jeu. On va incarner une fille dans une école de pigeons qui recherche l'amour de pigeons. Il nous demande de trouver un prénom pour notre prétendante à un pigeon. Et ben on va l'appeler Toonie. Il nous demande le nom de Fabi. Et ben on va s'appeler El Pigeon. Voilà, El Pigeon. C'est bien El Pigeon. Cette école est la plus grande école pour oiseaux surdoués du Japon. Tout va bien. Les oiseaux qui veulent étudier les arts, les sciences et même les sports viennent à Sun Pigeon Nation. L'équipe pédagogique et le corps étudiant sont tous les deux faits de diverses espèces d'oiseaux aux histoires variées. Mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? On me demande souvent pourquoi je viens ici, alors que je ne suis pas un oiseau. C'est pas tous les jours que je te vois courir en cours comme ça. Ryuta! Tel le cri de cet oiseau. Ok, donc cet oiseau s'appelle Ryuta. Donc là, c'est Ryuta qui nous parle. Habituellement, tu aurais été prête depuis une heure, Toonie. Tu ne t'es pas réveillée? Non, jeune pigeonus. Je t'attendais dans mon lit. Ce pigeon s'appelle Kawara Ryuta. On est amis depuis qu'il est sorti de l'œuf. Il peut se montrer un peu plaisantin, mais il est responsable et gentil. C'est complètement malade ce jeu, on est d'accord. Là, c'est moi qui parle. J'ai eu du mal à attraper mon petit déjeuner. Je ne peux pas me détendre sans viande rouge. Quoi? Au petit déj? C'est horrible. Ryuta nous répond. La vie d'un chasseur-cueilleur a l'air dure. Je me ferai plaisir de te préparer le petit déjeuner, tu sais. Ce pigeon essaye déjà de se mettre en couple avec nous. Il tente une approche furtive. Mais je lui réponds. Je pourrais profiter de cette offre. Quand la famine guettera. Merci, Ryuta. Oh, déjà la sonnerie. Allez, on doit aller en cours. Non, c'est pas une bonne idée d'être en retard le premier jour. Old football friend, the most splendid and great academy of the pigeon, by the pigeon and for the pigeon. Ryuta et moi sommes à nouveau dans la même classe. Oh putain, Ryuta, je t'aime. Des anciens et des nouveaux visages. Un étrange frisson emplit mon cœur, tandis que je regarde les oiseaux rassemblés. Voilà le prof qui arrive dans la classe. Vite, Ryuta, asseyons-nous. Et voici le prof Kazuaki qui nous dit. Bonjour, tous les oiseaux. Mais moi, je ne suis pas un oiseau, Kazuaki. Je suis un humain qui essaye de me serrer un oiseau. Voilà. Je suis Nanaki Kazuaki. Il semblerait que je suis votre enseignant cette année. Je me spécialise en maths et en physique. Et aussi d'autres choses. Apparemment, c'est un grand mathématicien, ce prof Kazuaki qui est... un pigeon, hein, je rappelle. Ah, désolé, il ne fait pas un peu chaud. Ce qui me rappelle, nous avons un étudiant étranger. Veuillez vous présenter, Shirogan. Sakua répond. Mais pourquoi faire? Je n'ai aucun désir de parler au roturier. Ne pensez pas que je suis ici de mon plein gré. Ryuta. Hey, 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 ça ne va pas. Mais il ne veut pas se présenter, dit le prof. Moi, je réponds. Mais on ne peut pas le laisser briser les règles comme ça, monsieur. Le système sera corrompu et nous nous transformerons en koulak et en dissidents. Quoi? C'est quoi, koulak? Apparemment, je suis un gros lèche-cul, parce que là, je suis en train de dire au prof que l'autre est obligé de se présenter même s'il a pas envie. Putain, je suis un enfoiré. Eh ben, dit comme ça, pourriez-vous au moins dire votre nom? Shirogan. Sakuya s'appelle. Shirogan le bel. Sakuya. Sakuya s'assied et nous regarde avec des yeux noirs, Ryuta et moi. Un petit oiseau me dit qu'il va y avoir des problèmes. C'est l'heure du repas! Cette journée passe si vite! Ça me rappelle, j'ai regardé ces livres de la bibliothèque tout l'été. Je vais les ramener. Il n'y a personne, à part le réceptionniste. Il n'y a aucun oiseau ici. Hein? Quelqu'un me regarde, c'est sûrement mon imagination. Un nouveau pigeon, les amis! Regardez-moi cette belle bête, comment elle est belle! Une tourterelle triste se tient, dans un coin sombre, à me fixer du regard. Les tourterelles tristes ne sont pas courantes au Japon, mais il paraît qu'elles sont partout. En Amérique. Et donc là, je lui parle. Tu veux quelque chose? Pas vraiment. Je suis presque sûr que c'est lui que j'ai senti me fixer. Il n'y a personne d'autre ici. Oui, je ne veux rien. C'est ce que vous portez qui m'intéresse. Il ramène silencieusement son regard à son livre. Il doit être de mauvaise humeur. Je lui réponds. Moi, c'est El Pigeon. Toonie, je suis en deuxième année. Et toi? Najeki ne répond pas. Il a peur de mon approche. Najeki ne veut pas tomber sous mon charme sexuel. Mais il donne quand même son nom. Et il s'appelle... Fujiro Najaki. Laissez-moi seul, dit-il d'un air triste. Ok, désolé de t'avoir dérangé, jeune pigeon. Je ne rencontre que des gens déprimants. Oh merde, c'est mal barré. Bon, ça c'est fait, je vais retourner en cours. Mais c'est... Sakuya, tu as sûrement reçu l'ordre
de ne pas m'approcher à l'école. Pourquoi ? Allons, Sakuya, c'est vraiment comme ça que tu parles à ton frère, après toutes ces années. Mon frère, tu veux plaisanter ? Tu n'as jamais été mon frère. Une dispute de pigeons, les amis. Ils vont se mettre sur la gueule. Enfin, sur le bec. S'il te plaît, n'essaie pas de me parler. Ce n'est pas le temps pour les deux minables. Maintenant, j'y vais. Son frère répond. Hey, attends. Je suppose que même si on est dans la même école, ce qui est fait... est fait. Je ne voulais pas espionner, mais je crois avoir entendu quelque chose de juteux. C'était pas nécessaire, ce truc dégueulasse. Le populaire homme à femme et créateur de tendance, Sakazazaki Yuya, est le frère de Sakuya. Le frère de Sakuya est donc le frère de Sakazazaki. Je me demande l'histoire qui se cache derrière ça. Tu as tout entendu, c'est ça? Tu es une amie de Sakuya? Je lui réponds. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous espionner. J'essaye de rester sexy et chic devant toutes les petites femmes. Mais ça, ce n'était pas cool. Quoi? Non mais... Tu es Tuni, c'est ça? Comment tu sais? Je connais tout le monde ici. En plus, tu es la seule humaine. Un pavot dans un champ de seigle. Putain, c'est un poète, ce pigeon. Tu disais être une amie de Sakuya? Pas exactement. On a eu une rencontre balistique ce matin. On est dans la même salle. C'est tout. Je n'aurais jamais cru que ce pseudo-aristocrate coincé était ton frère. Pseudo-aristocrate? Dit le pigeon. C'est un vrai aristocrate, tu sais. Vrai de vrai. Jusqu'au sang. Il peut être un peu désagréable. Bonne chance, mon ami. Adieu. T'es vraiment un noble. Mais je n'ai jamais entendu dire que Yuya en était un. Probablement une drôle d'affaire. Ouais, c'est vraiment étrange. Hein. Retour avec le prof. Monsieur, où est Ryuta? Il a dit qu'il allait à l'infirmerie. Tu pourrais aller voir s'il est toujours. Maintenant que j'y pense... Ryuta a toujours eu un estomac fragile. Allons à l'infirmerie immédiatement vérifier si Ryuta va très bien. Excusez-moi, rien ne se passe. Y a-t-il aucun oiseau dans cette pièce? Ryuta, es-tu là? Pas de réponse. Ça me met mal à l'aise d'être dans cette salle vide. Waouh, il y a tout un type de médoc ici. Est-il par, Trifé, Lucio Benzé? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il faut pas les prendre ces trucs-là. Vous voulez les essayer? Mais carrément! Docteur! Oh merde! Le docteur a débarqué! Et j'ai voulu prendre de la drogue en cachette! Je vous donnerai n'importe quoi, si vous le voulez. Mais je réponds, non merci! Vous n'avez pas l'air d'avoir une bonne raison d'être ici, vous avez besoin de quelque chose? On m'a dit que Ryuta, Kawara de la classe 2 et 3, était censé être là. Lui? Il est parti? Oh! Rétorque je... Non, ça se dit pas. Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Mille pardons, je vais y aller.